بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 13 sur le cours de rotation dans le plan niveau Bac A Sciences Math l'année scolaire 2021-2022. ABC est un triangle isocèle et rectangle en A, tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi sur 2 modulo de pi. I est le milieu du segment BC et R la rotation de centre I et d'angle pi sur 2. Petit a, déterminer R de A et R de C. Petit b, déterminer R de la droite BC. Petit 2, montrer que EIF est un triangle isocèle et rectangle. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a. Déterminant R de A et R de C. Tout d'abord, on va tracer cette figure. Voilà, elle est déjà prête. Vous avez ABC est un triangle isocèle et rectangle en A. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc si je déplace le vecteur AB vers le vecteur AC, je vais suivre le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens positif. I, c'est le milieu de BC. E se trouve en ce point, tel que le vecteur AE est égal à 2 tiers fois le vecteur AC. Bon, j'ai déjà partager le segment AC en trois segments isométriques pour obtenir facilement le point E. J'ai pris la distance AC est égale à 6 cm et le tiers de 6 cm, c'est 2 cm. Ici 2, donc c'est 4 cm sur 6, c'est 2 tiers. Bon, la même chose que j'ai fait ici, AB est égal aussi à 6 cm. Vous pouvez voir ça, hein. J'étais à 6, on a 2 tiers, c'est 4. Bon, la question suivante, c'est, oui, on va déterminer R de A et puis R de C. Bon, comme vous voyez ici, le triangle ABC, le rectangle isocèle en A et I, le milieu de l'hypoténuse, donc I se trouve à la même distance des sommets de ce triangle, c'est-à-dire IA est égal à IB qui est égal à IC, n'est-ce pas? Maintenant, la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur, par exemple, IA et IB. Ici, vous avez un angle droit, puisque AI, c'est une médiatrice. Donc, il est perpendiculaire au support du segment BC, c'est-à-dire il est perpendiculaire à la droite BC. Ou bien, on peut dire aussi que AI est la hauteur du triangle isocèle ABC. C'est la hauteur ici de A. Donc, il est perpendiculaire à la droite BC. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA et IB. Donc, si je déplace le vecteur IA vers le vecteur IB, donc l'angle, ça sera pi sur 2. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IC, parce que je cherche l'image de C. Donc, l'image de C, c'est A. La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IC et IA, c'est pi sur 2 modulo de pi. Puisque le sens de déplacement du vecteur IC vers le vecteur IA, c'est le sens positif. C'est-à-dire le sens trigonométrique. Donc, puisque la distance IA est égale à IB et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA et IB, c'est pi sur 2, donc l'image de A par cette rotation, c'est B. La même chose pour C. L'image de C, c'est A parce que, tout simplement, la distance IC est égale à la distance IA et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IC et A. Et IA, c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc, je vais écrire ça. ABC
est un triangle rectangle et isocèle en A et I en A. Oui, en A et I, le milieu de son hypoténuse. Et I, le milieu de BC. Donc, la distance IA est égale à la distance IB est égale à la distance IC, c'est-à-dire I est équidistant au sommet de ce triangle. Et encore, AI, la droite AI, et la hauteur issue de A. C'est-à-dire AI est perpendiculaire à BC. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA et IB est congrue à pi sur 2 modulo 2π. Congrue à pi sur 2 modulo 2π. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IC et IA, il est aussi congru à pi sur 2 modulo 2π. Je continue. Je corrige ça. ردوا البال معايا لانه قلت لكم هذا المشكل توقع لي دائما وقت ما كتبت الكتابه تنحرك ليكرون تيتزادوا عندي الشريطات في لي زيكريتور ديالي بحال هاد اي تدوبلات فوالا هنا اي ا ايتيغال اي بي et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IA et IB, il est congru à pi sur 2 modulo 2π. Ceci équivaut à dire que R de A est égal à B. Ça c'est R. R, bien sûr, c'est la rotation de centre I et d'angle pi sur 2. Autre chose, la distance IC est égale à la distance IB. Et la mesure de l'angle orienté formé par la distance IC est égale à IA. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IC et IA, il est congru à pi sur 2 modulo 2π. Modulo 2π. Ceci équivaut à dire que R de C, c'est A. Petit d, ou bien petit b, déterminons l'image de la droite BC par la rotation R du centre I et d'angle pi sur 2. On a R de C
CA. نشوفوا لا فيغور احسن باش نناقشوا هذه الفكره هذه. بون هي لا فيغور. بون ار دو سي قلنا هي ا. دونك نشوفوا ار دو بي. ار دو بي بغينا نديروا واحد لا روتاسيون اوتور دو اي دونغل بيسور دو. بغينا نجيبوا هذه لهنا يعني الى مدت هذا على دومي دروات بتلقى ار دو بي كاينه هنا. هاي c'est un point B' qui se trouve sur la droite AI, ou bien sur la droite, la demi-droite AI. Oui. Donc il y a R de C, c'est A, R de B, c'est B' qui appartient à la droite AI. Donc l'image de la droite BC, c'est la droite AI. Oui, puisque B' il appartient à cette droite. Je vais démontrer. Je vais démontrer, je vais poser par exemple, R de B est égal à B'. Et je vais montrer que ce point B', il appartient à la droite AI. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire dans notre démonstration. J'ai dit, on a R de C est égal à A. Posons. R de B est égal à B'. Et je veux montrer que le point B', bien sûr, appartient à la droite AI. On a R de B est égal à B'. Ceci équivaut à la distance AB est égal à la distance AB'. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IB et IB', elle est congrue à π sur 2 modulo de π. π sur 2 modulo de π. Donc B' appartient à la perpendiculaire ABI qui passe par I. C'est-à-dire, voilà, on a une seule droite qui passe par I et qui est perpendiculaire à BI, c'est la droite AI. Donc B' appartient à la droite AI. Donc, l'image de la droite BC par bien sûr, la rotation R de centre I et d'angle π sur 2, c'est la droite AI. Puisque R de B, c'est B' qui appartient à cette droite AI, et R de C, c'est A. Bon, quelle est la deuxième méthode? Donc, la deuxième méthode, je crois qu'elle est plus simple. C'est le minhadi. Bien dire R de I, c'est I, et R de C, c'est A. Donc l'image de la droite IC par cette rotation, c'est la droite AI. Puisque la droite IC, c'est la droite BC, donc R de BC, c'est AI. Donc deuxième méthode, si vous voulez, dit la méthode. Deuxième méthode. On a R de I, c'est I. C'est le centre de la rotation, qui est un point variant. Et R de C, c'est A. Donc, R de la droite IC
c'est la droite IA. Et comme la droite IC est égale à la droite BC, puisque les points sont alignés, ou bien parce que IC est le milieu de BC, si vous voulez, car I appartient à BC. Si le milieu de BC, appartient à BC, kafia. C'est suffisant pour dire que IC est égal à BC. Alors, R de la droite BC, c'est la droite AI. Ou bien IA. C'est la même chose. Bon, la deuxième méthode, c'est le même là. Dernière question. On a le vecteur AE qui est égal à 2 tiers fois le vecteur AC. Le vecteur BF est égal à 2 tiers fois le vecteur BA. Montrons que EIF est isocèle et rectangle en A. Je vous offre la figure. Bon, voici notre figure. Donc, on va tracer le triangle EIF. Oui, je vais utiliser cette couleur. EIF. Bon, on a qu'une chiralate, parce que l'angle n'est pas droit. Et donc, on dit que le F, F, mais c'est dit blasta. C'est pas la position. BF est égal à 2 tiers. BA. BF est égal à 2 tiers. BA. F qui est là. Donc, je vais effacer ça. Donc, F se trouve ici. Donc, je vais régler ça. F qui est là. Car BF, c'est 2 tiers BA. BF, 2 tiers BA. Donc F, a tkoun hna. Donc, on va tracer le triangle d'IA. On va dire qu'on a le sahih. Mais tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as EIF. Voilà. Donc, on a le sahih. Finalement, le triangle, il est isocèle. On va t'accéder de ça. Il est isocèle, oui. Et bien sûr, les rectangles en A. On va dire l'angle droit. Voilà. On va voir. On va voir. Donc, c'est un angle droit. C'est bon. Et alors, on va voir la question. Le triangle est isocèle. Donc, il suffit tout simplement de montrer que l'image de E, par la rotation R de centre I et d'angle pi sur 2, c'est F. Bon, le vecteur AE est égal à 2 tiers fois le vecteur AC. Donc, on va dire que l'image de E, par cette rotation, c'est F. Qu'est-ce que je vais dire? Utiliser la propriété de la rotation conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs. Donc, on a l'image d'IL A, il est P, ou l'image d'IL C, il est A. On peut mettre l'image de E, c'est E prime. Et on va montrer que E, prime, c'est F. وما كتبت والو دونك ندوزو للكتابه وغادي نشرحوا هذا الشيء. بوزون R de E R de E est égal à E prime et on va montrer que E prime c'est F. R de E est égal à E prime. On a R de A est égal à C. Et plutôt R de A, c'est B. Je m'excuse. R de A, c'est B. Rahel Aouch, la figure est belle, il y a la faute. R de C est égal à A. Donc,
ou bien je peux dire, et puisque et puisque le vecteur AE, c'est 2 tiers fois le vecteur AC, bon, R de A, c'est B. R de E, c'est E prime. Et là, on a le même coefficient. R de A, c'est B. R de C, c'est A. Donc, le vecteur BE prime, en X, alors, BE prime est égal à 2 tiers BC, car la rotation conserve le coefficient de collinéarité. On est d'accord? Et comme le vecteur BF est égal à 2 tiers, on a un retenu, l'image R de C, c'est A. Oui, R de C, c'est A. بو هنا تنغلط قدامك وتنصحح تاني قدامك علاش باش نبين لك بانه الخطا راه عادي يمكن لك توقع فيه فهمتيني ولكن اللي غير عادي هو تنسى داك الخطا ديالك وتبقى غادي جوسكا لافا يعني خصك ارتكبتي الخطا غادي تكونترولي راسك وتعاود ترجع باش تشوف فين درتي الخطا بحال كي درت قبيله في المثلث انا تعمد نخلي داك الخطا ديالي وما راه يمكن لي نوقف لا فيديو ونصحح الخطا ديالي وما تشوفوش انت كاع ولكن انا بغيتك تشوفه باش تعرف راسك راه اي واحد تيخطا ولكن غير ملي تكون تخطا تعرف كيفاش تانتربريتي لا ديمونستراسيون ديالك باش تشوف فين كاين الخطا ديالك بحال دروك هنايا انا درت ار دو ا هي بي ودرت ار دو سي هي ا وانا كتبت بلاصتها سي ومني بين نجي لهنايا غندير لكم بي اف اللي ديجا عطاوها ليا هي دو تيير بي ا ما باقيش نلقى لا غولاسيون اللي بغيت نتسنتج داكشي علاش رجعت دغيا وانا نقول اجي كاين شي خطا انا دونك ليماج دو سي راه هي ا دونك باش يبان لي بان ها هو دو تيغ بي ا ها دو تيغ بي ا دونك لو فيكتور بي او بريم انتيغال بي اف سوسي فو دير كو او بريم سي اف فويي انا فضلت حتى الا خطات نخلي الخطا في لا فيديو باش تشوفوا لانه هذا بيكون ايجابي بالنسبه لاي شخص متبع معايا Donc, je vais continuer. Alors, E' est égal à F. Donc, R de E est égal à F. Voilà notre objectif. R de E est égal à F. Donc, ni R de E est égal à F. On applique la définition de la rotation. Cela veut dire que la distance IE est égal à la distance IF, où le triangle va être isocèle. Et, deuxième condition, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs IE et IF est congrue à π sur 2 modulo de π. Le π sur 2 est un angle de 90 degrés. Soit 4 π sur 2 ou la moins π sur 2. Ça veut dire que l'angle est droit. Autrement dit, IE, il est perpendiculaire à IF. Conclusion, le triangle IEF ou bien EIF est isocèle et rectangle en I. Conclusion. EIF est un triangle isocèle et rectangle en I. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdel Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.